Bienvenue les amis sur la chaîne Les Recettes Gourmandes. On y va pour la recette froide. Donc terrine de thon petit pois. Donc j'ai déjà préparé beaucoup de choses. Hein, ça évite les bruits et tout ça. Donc c'est parti, je mets la caméra. On y va. Ouf. Alors il faut bien que je centre tout. Voilà. Ça ne va pas être mal comme ça. Alors, donc, j'ai deux boîtes de thon de 400 grammes, mais ça fait 280 grammes par boîte, donc ça fait 560 grammes égouttés. Voilà. J'ai mixé 3 œufs cuits durs. Hein. Ça vous a évité le bruit. Alors là, hop, la préparation du thon. Hop, je vais mettre. Ah, j'ai oublié aussi. J'ai oublié le ail et fines herbes. Alors, comme ça, je mets une boîte de ail et fines herbes de 150 grammes. Ça évite de mettre en plus de mettre du sel, du poivre dans la préparation. Hop, je mets tout dedans. Voilà. Donc, alors on va mélanger. Là, ça fait un peu sec pour l'instant, mais ça va pas rester comme ça. Alors, j'espère que vous allez tous et tout bien. Vous êtes en vacances. Alors, j'attends vos abonnements, hein. Allez, puis faire partager et tout ça. Je m'améliore en vidéo, hein. Parce que dans la cuisine, on bouge, c'est pas comme... c'est pas du tout comme... comment? J'ai ma chaîne, la balance des cartes, c'est pas du tout pareil. Hein? Parce que là, on bouge et... Alors, c'est pas pareil. Mais ça y est, maintenant, je suis pas stressée du tout. Donc là, ça fait, on va dire, comme des rillettes de thon. J'en ai même préparé hier. Hier. Alors, je vais prendre le mayonnaise. Alors, bien sûr, je vérifie. Mais je crois qu'elle est toute neuve. Et oui. Mais la capsule, c'est mieux, hein. Eh bien, ça... bon, ça ne veut pas aller tout seul, évidemment. Évidemment, bien sûr. Oh, bon. Et s'il vous plaît. Voilà. Hop, ça va mieux. Sans la capsule. Allez, on y va. Généreusement. Alors, en gros, ça peut faire... le quart du tube, hein. On va dire 150 grammes de mayonnaise. Ah, c'est, j'y vais comme ça parce que j'ai l'habitude de la faire. Vous voyez, faut que ce soit un peu trempé, mais pas trop. Voilà, on va surtout bien mélanger, hein. Que ce soit bien homogène. Pardon. Oh. Et ben voilà, là c'est parfait, vous voyez. Quand vous faites passer la cuillère comme ça, hop. Si ça fait comme ça, c'est super. Alors, c'est pas fini. Je fais ma sauce Valère. Voilà.
Allez, c'est parti. Donc, très peu d'eau, hein, et deux sachets de verre pour qu'elle tienne bien. La dernière fois, j'en ai une. Un sachet, c'était pas assez. Donc là, j'en mets deux. Il fait chaud, hein, je ne dis pas. Ouh. Alors, il faut bien s'hydrater, hein, les amis. Bon, surtout s'hydrater, mettez un verre d'eau à côté d'une bouteille, moi c'est ce que je fais. Comme ça, j'en sers un, au moins un verre toutes les heures. D'habitude, je bois pas beaucoup, hein, donc pour moi c'est beaucoup là. Je crois que je vais y rester, faut que j'y reste comme ça. J'y laisse comme ça, je veux dire. Ça fait bien d'éliminer, c'est pas mal. Ça, plus manger des entrées froides. Et puis, des melons, enfin plein de choses comme ça, des choses fraîches. Pas beaucoup de calories, des pastèques. Alors, vous voyez, sauce madère, j'en ai mis deux sachets. Alors, j'y vais. Je verse tout. Vous allez dire, oh là là. Et ben non, ne vous inquiétez pas, on va... On va remuer à ta bouille. Alors, je suis bourguignonne, hein, je suis désolée. Des fois, j'ai les petits mots de mes grands-parents. Hein? Hop. Voilà. Alors. Et à tout bout. Et là, je sais que elle va être super compacte. Alors, il faut surtout bien encore mieux mélanger qu'avec la mayonnaise. Hop, voilà. Alors là, on va faire des étages. Et non, Sandra, j'ai oublié de mettre les œufs. Vous voyez, je cause, mais... Alors, pas de Covid, hein, je vous rassure, c'est la clim. J'ai ni mal à la gorge, rien. Et alors, on remélange du coup les œufs, mais c'est pas plus mal parce que ça va finir de boire. Vous n'êtes pas obligé de mettre des œufs, hein. Mais bon. Et là, j'ai pas mis de crème. C'est pas nécessaire la crème. Par contre, on peut faire une sauce crème ciboulette. C'est ce que je vais faire pour la manger. Hein. On peut mettre un jus de citron aussi si vous aimez ça. Mais à la maison, ils font la grimace. Alors, ah là là. Non, mais je n'en mets pas. Mais bon, moi je me presse un jus de citron très souvent. Bon, alors là vous avez vu mon petit montage. Alors, barquette, comme ça, allô. Donc j'ai mis du papier sulfurisé parce que pour le démoulage ça va beaucoup mieux. Là j'ai mis du passe-à-linge pour tenir parce que le papier sulfurisé à la barquette. C'est mon astuce. Hein. Alors là, par contre. Hop, on y va. On verse. Alors, hop, là, j'y vais à moitié. Hop. C'est pas grave si ça dépasse. Ça dépasse après. Donc, moi, si je peux le faire, vous le faites largement, hein, messieurs, mesdames. C'est facile comme tout. Il faut en faire une ou deux. Et après. Vous n'allez plus les acheter. Hein. Alors là, j'ai pris du thon, mais on peut mettre. Alors, bien, ça fait plus de quantité, bien sûr, mais du poisson, du colin et cabillaud. Mais il en faut au moins 560 grammes, du coup. Alors voilà, donc. Hop. Je taponne pour que ça. Tapote. Non mais. Alors.
Alors là, les petits pois. Voilà. C'est une boîte de petits pois de... ça fait 400 grammes. Bah, du coup, 280 grammes. Voilà. Hop, bon. Je mets ça pour que quand on va la découper, et ben, ça va faire un petit étage. Ça sera joli. C'est la première que je fais comme ça. On va voir. Donc là, ça fait un peu bizarre. Donc, vous doutez bien que je rajoute... la mixture. Alors, j'espère que, comme c'est une première, j'espère que comme mon thon il est bien imbibé de gelée de madère et qu'il est bien, comment on dit, bien trempé, ça va descendre dans les petits pois pour que ça prenne. J'espère, hein, c'est la première que je fais comme ça. Donc, vous voyez. Alors, c'est bien généreux, hein. Elles sont dans mes recettes, elles sont comme moi. Donc là, ça fera des belles tranches, hein. Vous allez voir, ça fera des belles tranches quand je vais y couper. Alors, ce qu'il y a, il faut bien, voilà, il faut bien, hop, remonter comme ça. Voilà, super. Là, du coup, les pinces, je les enlève. Hop. C'est côté pratique, hein, pour pas que le papier se fasse la malle, vous voyez. À force, ben voilà, j'ai mes astuces. Voilà, ça fait une belle terrine, vous voyez. C'est joli, hein. C'est joli. Bon. Alors... est-ce que je peux? Oui, je peux. Hop, voilà. Je peux pas trop la bouger par contre. Bon, on verra ça quand je vais la démouler. Donc là, on est lundi matin, en fin de matinée. Donc demain, moi je la mets 24 heures au frigo pour qu'elle soit bien, se tienne bien. Donc là, il n'y a pas de souci quand c'est comme ça. Moi, j'ai pris des petits bâtonnets de surimi aux fines herbes. Alors, vous pouvez en mettre dessus en décoration. Moi, j'en mets pas parce qu'à la maison, je n'aime pas. Mais ça, je n'y mets que pour moi, du coup. Ils sont super bons. Là, je vais me préparer une petite salade avec le reste de mes petits pois. J'ai des œufs et tout ça. Je vais me préparer une petite salade. Donc là, je vais filmer. Alors, est-ce que je filme avec le papier? Alors, attendez, j'essaye quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Hein. Ah, c'est ça la cuisine. Je trouve que c'est la première que je fais comme ça. Bon, écoutez, ça a l'air d'être bien comme ça. Il faut faire un peu de pliage, messieurs, mesdames. Vous rabattez bien. Alors, c'est vrai que j'en ai mis un peu beaucoup là, de papier sulfurisé, mais dans le sens, je préfère qu'il en manque. Hein. Vous voyez, hop, tac, et tac. Donc, bien recouvert comme ça. Je vais chercher du film transparent. C'est mes tirables. Je sais, faut que je prenne les bons mots. Donc, film étirable pour bien l'accrocher. Ça, il n'y aura pas de souci. Des fois, on aurait quatre mains en cuisine. Hein? Vous ne pensez pas comme moi. Quatre ou six mains, allez voir. Hein. Allez, là, moi, je filme super bien. Je filme, hein, moi, et voilà. Hop là, voilà, comme ça on est tranquille. Hop. Voilà, voilà. Je vais peut-être même en remettre un dans l'autre sens, comme ça. Hop, ok.
carrément. Hop. Système D, hein. Hop là. Et hop. Ah, elle va pas se sauver, hein. Voilà. Ça, l'avantage de celle qui le fait, elle sait dans quel sens il va le film. Ça va beaucoup mieux. Et bien, regardez comme c'est joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, nombre de parts, une bonne dizaine. Hein. Alors, attendez voir. 4. Ouais, une dizaine de bonnes parts. Hein. Donc, j'ai 560 grammes de thon. Hein, nature. Une boîte de 280 de petits pois. Mais bon, j'en ai utilisé. Oh, j'en ai bien utilisé 200 grammes. 3 œufs. Cuit dur que j'ai mixé. Une boîte d'ail et fines herbes. 250 grammes. J'ai mis au moins 150 grammes de mayonnaise. Et vous voyez, ça fait pas trop liquide. Hein, vous verrez demain. Et j'ai mis dans la casserole comme ça, là, j'ai mis de l'eau à hauteur d'un doigt et 2 sachets de madère. Hein? Et moi, à côté, quand je me sers donc une tranche, je me mets des petits bâtonnets de surimi et ceux-là, ils sont super bons. Ils sont ail et fines herbes, vous pouvez les prendre nature, hein, mettre des petites crevettes comme vous voulez. Donc voilà. donc bien sûr, il y aura un montage de vidéo. Bon, il y a un petit peu de vaisselle, mais ça va. Il y a 2 saladiers comme ça. Il y a un tout petit peu de vaisselle, mais bon, un petit peu de préparation. Mais en 1 heure, tout compris, vous faites la recette. Hein? Et ça fait plusieurs repas. Oh, tout dépend le nombre que vous êtes, bien sûr. Et ben voilà, mes amis, moi je vous dis, vous n'allez pas vous en apercevoir. Je vous dis à demain. Pourtant. Et je vous dis à demain pour le déboulage. Je vous embrasse. Bonjour les amis. Bienvenue sur la chaîne La Recette Gourmande. Allez, on y va. Donc pour la suite de la recette, bien sûr, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vais faire un montage de vidéo, hein, parce que hier je vous ai dit qu'il fallait 24 heures pour la prise. Je ne triche pas, vous avez vu, hop, c'est tout filmé comme hier. Donc je découvre en même temps que vous. Allez, et là des fois, moi, c'est tout comme ça. Je filme tout comme ça. Des fois, je me dis, mais Sandra, tu en mets trop. Ben, ça sent pas le frigo. Ça ne sèche pas. Hein? Alors, par contre, après, il faut bien trouver. Voilà, si, ça va. Ça, faut savoir, faut que ce soit vous qui le faites. Hein, parce que ça sent bon, déjà. Alors après, je vais faire les présentations en même temps que vous. Vous voyez, ça a bien tout imbibé. Hop, regardez ça, comme elle se tient bien, j'ai l'impression. Ah. Voilà, j'espère que ça n'a pas coupé l'image. Bon. Alors, hop, elle se tient super bien, vous avez vu. Alors là, on va essayer de faire quelque chose sans faire de catastrophe. Une assiette, je la mets comme ça, on fait le démoulage, hein, vous avez compris. Hop, regardez. Hop, nickel, hein. On pourrait s'en servir dedans. Alors, hop, j'enlève le papier sulfurisé, bien sûr. Hop, nickel chrome. Et là, du coup, je reprends. Vous avez vu déjà, elle est magnifique. Je me dépêche parce qu'il fait chaud. Hein. J'en prends une assiette. Sans trop l'écraser.
Voilà. Je vais la mettre à laver après. Je vais ressortir une assiette. Et là, je vais couper des tranches. Ouais, nickel, on pourrait s'en servir. Je vais la garder. Je vais vraiment le jeter. Alors, voyez, on peut faire facile. On croise les doigts pour les petits pois. Au mieux. Hop. Eh bien, écoutez, franchement, ça mérite de la faire. Vous avez vu? Waouh! Elle se tient super bien. Donc, bien deux sachets de madère, hein, et pas beaucoup d'eau. Ah, je suis vraiment contente de moi. Vous voyez, vous faites ça quand vous avez du monde. Regardez comme c'est joli. Elle se tient, hein, je peux vous dire. Alors là, un jour, moi, je vais me faire mal avec un couteau. Ah, alors, partagez, abonnez-vous, s'il vous plaît. On se met toutes les notifications. Oh, c'est magnifique. Elle se tient super. Alors, j'ai... Hop. Voilà. Alors... Après, je vais la refilmer, bien sûr. Alors, donc là, j'ai déjà trois belles parts, comme vous pouvez le voir. Hop, elle glisse. Bon, il fait chaud, hein. J'ai vite tiré mettre au frais. J'ai déjà trois belles parts, avec un petit peu de salade de mâche, ou de la salade, ou des petites cerises tomates, ou à vous de voir. Regardez comme elle est magnifique. Hein? Alors, là, j'ai trois parts. 3, 4, 5. 9, 10, 11. Ouais, je dis c'est 12 parts. Franchement, c'est déjà des belles portions. Alors, je vais me rincer les mains. Franchement, je suis trop contente de moi. Moi, c'est des compliments. J'ai hâte de la manger. J'ai plus qu'à faire une sauce ciboulette. Je ne vous cache pas, j'ai pas été en course. Il manque de la ciboulette. Et vous prenez de la crème épaisse. Vous prenez de la crème épaisse avec bien sûr du sel, du poivron sainte-baie, un petit peu de muscade si vous aimez, sinon vous n'en mettez pas. Et puis de la ciboulette fraîche. Et c'est super comme sauce ou mayonnaise. Hein. Tout simplement. Ou autre sauce que vous aimez, bien sûr. Alors là, je cherche un petit bâton de surimi. Vous voyez, comme ça. Moi, je suis gourmande. Hein. J'ai pris le surimi ail et fines herbes. Hein. Voilà. Franchement, ça vaut le coup de la faire. Et après, la prochaine que je vais faire, ça sera avec du cabillaud. Vous savez, les filets collins, là... Hein? Soyons fous. Hop. Alors, donc c'est ils sont garnis de fines herbes. Moi, je les coupe en deux. Et puis ceux qui n'aiment pas, eh ben, hein, ils me les passeront. Parce que j'aurais pu en mettre dans la terrine, refaire un étage au-dessus des petits pois, par exemple. Vous pouvez faire, essaye de m'améliorer pour la présentation. Alors là, par contre, hop, voilà, hop, je mets comme ça, je l'ai filmé. Hein. Vous me connaissez maintenant. C'est moi qui vais tous les manger, j'en suis sûre. J'adore ça, c'est super bon. Je me relave les mains. Et je vais vite tout frais, mes amis, parce que là, chala, j'ai déjà 27 à la maison. Et tout fermé, hein. Et les rideaux occupants. J'ai aéré ce matin de bonne heure, à 6h. J'ai une clim, mais que dans une pièce. Donc, on fait avec les moyens du bord. Moi, je suis super contente, en tout cas.
cette là. Et là aussi, on pourrait mettre un peu de ciboulette. Il faut jamais vraiment chercher en course, mais on limite les déplacements. Hein. Faites là, vous avez toutes les astuces. Vous avez vu, franchement, et ça fait lourd. Hein. C'est génial. Hein. Ça se tient super. Je vous dis pas les odeurs, là, ça sent vraiment bon. Faites là et envoyez-moi les photos. Hein. Alors écoutez, mettez des pouces, j'ai besoin de vous. Pour que les abonnés, ça monte. moi, je vous embrasse. J'attends vraiment vos recettes. Hein? Puis après, on fera les petits concours. D'accord? Écoutez, moi, je vous adore. Je fais le montage et je mets la vidéo sur ma chaîne. Bye bye! Je vous adore. Bisous!